C'est l'instant, le moment où je percute, je crois que c'est le pire moment de ma vie. Archi favori avant le départ, Thomas Coville est la plus grosse victime de cette première nuit en mer. Faut imaginer que sur nos bateaux, on n'a pas beaucoup de visibilité. Et là, il fait nuit, il y avait des grains avec beaucoup de pluie, donc aucune visibilité. Et en fait, vous ne naviguez qu'à l'écran, un peu comme... Finalement, les pilotes d'avion qui ne travaillent qu'au radar. À 22h30 TU, le maxi trimaran Sodebo Ultime entre en collision avec un navire de commerce et est gravement endommagé. Moi, je suis à 25 nœuds, le cargo il est à 18 nœuds, donc on a une vitesse de rapprochement de 40 nœuds. Et en gros, je fais les 2000 en question en 1 minute 30. Et au moment où je lève la tête, je vois ce mur noir passer devant moi et je le touche à environ 1,50 m ou peut-être à 3 mètres de son arrière. Dans la collision, le trimaran a perdu la partie avant du flotteur tribord jusqu'à la poutre centrale et la coque principale semble aussi avoir été endommagée. Sodebo Ultime se dirige vers la Bretagne sous voilure réduite en s'appuyant sur sa coque bâbord. C'est une succession d'événements qui font que... Merci Thomas, on te laisse. Merci à vous. Bon courage à toi.